Les enfants de Barlin, ça c'est... C'est quand même, c'est une chanson sur les mômes qui en chient. C'est dans une piscine qui est magnifique. Hein. Absolument, c'est avec une piscine. Un peignoir, du, machin. C'était une piscine du 5e arrondissement, je ne sais pas pourquoi. C'est une émission qui a été produite par Monique Carr. Absolument. Et donc, avec laquelle j'ai travaillé. Ouais. Les moustaches, avec les moustaches. Beaucoup de gens me confondaient avec Gérard Hernandez. Puis c'est marrant, c'est les radicaux gauche. Tapie, il a commencé à Tapie, il chantait, j'aurais voulu être un artiste. Mais il a de la voix, Tapie. Il a de la voix, oui. Il n'a pas toujours des voix, mais il a de la voix. Il a du coffre et il a des coffres aussi. Absolument. Ouais, mais. Tu ne peux pas lui enlever qu'il a payé la note. Oui, il a payé, c'est clair, il a payé. La note. Alors, est-ce qu'on peut apporter la guitare pour Noël ma mère, s'il vous plaît, là? Oui, mais j'en joue plus de la guitare. Vous allez en jouer. Je vais vous donner les paroles. Il y a une chanson que vous connaissez bien, Noël, qui s'appelle Nobody Knows. Mais pas sur ma guitare, je sais pas le faire sur la guitare. Elle est jolie, cette guitare. Elle est très jolie, cette guitare. Elle est pour Mais ça, non, je sais plus les lire, les trucs. Je sais pas les lire, non, je vais le. Faites-le comme ça, faites-le de tête. Vous avez des paroles sur le papier jaune. Elle est pas tout à fait juste, cette guitare. Ah hein? Je sais pas, moi, je ne connais pas la musique. Vous savez, je travaille dans la politique. Eh oui, bon, mais je sais pas, nobody knows. Pardon? The trouble I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Glory, hallelujah. Voilà. Bon, je crois quand même que vous avez eu raison de faire de la télé et de la politique, finalement. Bon, alors attention.